Hommage à Jean-Pierre Pernaut, la première femme du présentateur, une rare apparition aux côtés de ses enfants. Samedi 18 mars, la ville d'Amiens a inauguré l'office de tourisme Jean-Pierre Pernaut. Pour l'occasion, Nathalie Marquet et Dominique Bonnet, les deux femmes qui ont partagé la vie du présentateur, étaient présentes. Ainsi que leurs quatre enfants, Lou, Tom, Julia et Olivier. Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Le présentateur star du JT de TF1 avait annoncé le 22 novembre 2021 être atteint d'un cancer du poumon. Il laissait derrière lui sa femme, l'ancienne Miss Nathalie Marquet, ainsi que quatre enfants, Lou, âgé de 20 ans, Tom, 19 ans, et deux autres enfants issus de sa relation avec sa première femme, Julia, âgé de 44 ans, et Olivier, 41 ans. Très actif sur les réseaux sociaux, Lou Pernaut s'était confié auprès de ses abonnés sur l'enterrement de son père, quant à l'église. « Ma meilleure amie est venue me voir et que c'est le seul moment où j'ai vraiment hurlé de douleur ce jour-là », avait-elle expliqué sur Instagram. Dans une récente interview, Lou Pernaut est également revenue sur les critiques qu'elle a essuyées pendant son deuil. « On m'a reproché d'être partie en vacances après la mort de mon père. Excusez-moi, je vis. Et puis lui, il préférerait que je vive plutôt que je pleure », a-t-elle confié. Samedi 18 mars, la ville d'Amiens a rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut en donnant le nom du présentateur à l'office du tourisme de la ville. Une cinquantaine de personnes se sont réunies pour cette cérémonie organisée par Paul-Éric Decle, le vice-président d'Amiens. Cette fois c'est officiel, l'office de tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernaut. Un grand merci à sa famille venue nombreuse pour cet événement. Ainsi qu'à vous toutes et tous qui êtes venus lui rendre hommage, a-t-il écrit sur Instagram. Pour l'occasion, Nathalie Marquet et ses deux enfants, Lou et Tom, étaient présents à Amiens. Sur Instagram, Lou a partagé plusieurs clichés de la cérémonie, « Je suis trop fière », a-t-elle notamment confié dans sa story Instagram. Dominique Bonnet, la très discrète première femme de Jean-Pierre Pernaut, était également présente avec ses deux enfants, Julia et Olivier. Un moment émouvant.